Arrêtez. Regardez la chanteuse que j'ai encore trouvée dans la sacoche à Maïva. Wallah, elle a admis c'était dans sa sacoche. Maïva, t'as quel âge? 10 ans. 10 ans? 10 ans, tu te balades encore avec des cigarettes? Arrête, Maïva. Wallah, tu sais quoi? Wallah, je vais aller voir ton daron. Wallah, je vais aller voir ton père. Wallah, hey, toi, il faut qu'on te tire les oreilles un peu. Tony? Tony? Qu'est-ce que tu fais? Ça va ou quoi? Tu vas bien? Oh, t'as vu Maïva? Oui. Je te jure, je l'ai encore trouvé avec un paquet de cigarettes dans la sacoche. Ah, je vais la prendre. Elle est là, 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 là. Maïva! Oh, gronde la fort. Voilà, gronde la Tony. Non, tu pars en courant maintenant, hein? Tony, juste fais-lui comprendre. Juste fais-lui comprendre, tranquille. Ah, ça fait pas rire. La chanté, là, il y a un iPhone 14 Pro Max. Je l'ai acheté tout à l'heure. Il est flambant neuf. Et là-bas, regardez, il y a Tounsi. Je vais aller le voir. Je vais lui dire, ouais, viens, on fait une vidéo, on fait croire que c'est toi qui me l'as offert et tout. On va voir s'il va jouer le jeu. L'iPhone 14 Pro Max. Wallah, Tounsi, tu me l'offres, c'est pour moi. Tu mérites, mon pote. Là, je pouvais pas te laisser comme ça avec un téléphone. Tu l'as acheté combien? Plus de 2350€, mon pote. Jure Wallah. Là, que pour toi. Et ça, c'est une vraie amitié, mon frère. Jure Wallah. Là, je te laisserai jamais tomber, poteau. Tiens, t'as besoin de quoi, dis-moi-le. C'est mon vrai gars. T'as rien offert, tu te fais. Ça, vas-y, voilà, mais pas ça, vas-y. Lui, on l'appelle l'homme des signes au quartier, la chanté. Parce que toute sa vie, il fait que des signes. Et là, je vais partager son snap. Ajoutez-le, il fait que des signes dans sa story. Lui, on l'appelle l'homme des signes. J'ai 100 euros à faire gagner, les gars. Je vais vous poser une question. Celui qui répond, il gagne 100 euros. Quelle ville française surnomme-t-on la ville rose? Toulouse. Qui a dit Toulouse? C'est moi. T'as gagné 100 euros. Ah, regardez la chanté, il vient juste de sortir de prison. Le premier truc qu'il est en train de faire, c'est un défrissage au quartier. Et voilà qu'il fait très très froid. Torse nu normalement. La chanté. Ahmed, t'as quel âge? T'es rentré combien de fois en prison? 12 fois. 12 fois. Depuis l'âge de 15 ans, la chanté, il fait que rentrer en prison. Tu restes combien de temps dehors avant de rentrer? Là, c'est bon, j'avais plus de coups, là, c'est bon, ça y est. Là, ça y est, c'est fini. Nasa, c'est la percée. Tu vas percer le cous. Voilà, il va percer. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ah, c'est en train de remettre un pare-choc avec un fil. Ah, mais ça va pas tenir, mon dôme. Ah ouais, il s'en bat les couilles. La street zar, mon dôme. Wallah, El Adem, ce quartier, c'est devenu la Fashion Week. Mais il n'y a que des crapules et toi au milieu. Voilà. Je suis le rayon du soleil des crapules. Le rayon de soleil de ta sœur. Attends, Touya, elle vient au quartier, pourquoi elle? Pour faire les buzz. Absolument. Pour faire les buzz? Oui. Tu veux faire les buzz au quartier? J'ai fait le clip de Soul King et Gims. Non, c'est pas vrai. J'ai fait le clip et Soul King et Gims. Non, j'ai pas. Et alors? Et pourquoi tu viens à Saint-Jacques, quartier défavorisé, la Hesse? Je te jure qu'il y a une ambiance de fou. Non, ah. C'est pas vrai. Il veut prendre la place à Coco, elle. Oh. Vas-y, tout d'un coup, là. Mais attends, mais pourquoi t'as la cigarette? Voilà. Vas-y. Bah, j'ai envie de le faire. Voilà, nique sa mère, je le fais. Voilà, vas-y. Voilà. Oh, Belek. Belek quoi? Oh là là. Oh, t'as les cheveux lisses de ouf. Wallah, t'as les cheveux lisses de ouf. Ouais. Ça y est. Hey, t'as les cheveux qui bougent. Enfin. Ouais. C'est un rêve d'enfant, non? Oui, enfant. Ouais. Et t'es sûr c'est des vrais cheveux que t'as? Hein, vous pensez que c'est des vrais cheveux, les filles? C'est une perruque? Non, c'est des rajouts. Non, c'est des perruques. Pour ma mère Nasser, pour mes potes Lazas. Snapchat. Chente. Samos. Donner. Perpignan, Cristiano Ronaldo, direct. En vérité, Messi, c'est un extraterrestre, mais Cristiano Ronaldo, c'est une source d'inspiration pour pas mal de personnes. La mif. Du bif pour la mif. Oh, on prend un grec, y a pas de ça, nous. Répondre anonymat. Cappuccino. Mashallah, regardez la maman Afara, elle a fait du burkokus, c'est un plat algérien, et elle va nourrir toute la jeunesse de Saint-Jacques. Voilà, tous les jours, elle fait des sadaqas comme ça. Posez, les amis.
Voilà, tonton, remplis, tonton. Remplis. Il se régale. Regardez, regardez les sens. Oublie le sac à dos, je pensais que le dîner. Mais du coup, t'as besoin de 4 euros. Ouais, si tu peux. Tiens, 50 euros. Va faire de la monnaie et reviens. Vas-y, va faire la monnaie et reviens. Ouais. Ça veut dire que tu me dois 46 euros. Quoi? Ah oui. Ah bah oui. 46 non. Bon, attends, je t'en mets la monnaie. Allez. Il avait besoin de 4 euros, je lui ai donné 50 euros. Ça veut dire que là, s'il me ramène la monnaie, mes 46 euros, je lui donne 100 euros en plus à chanter. S'il est honnête et qu'il revient. Il avait besoin de 4... T'as fait la monnaie? Il n'avait pas de pièces, il m'a donné des veines de... Ah ben, tu sais quoi, garde-les. Garde-les parce que t'as été honnête. Et tiens 100 euros en plus. Comment ça que je vais en faire? Ah bon, je vais pas aller. Bien sûr, prenez. Merci. De rien. Bon, je te remercie. De rien. Que c'est-à-dire que tu me dis ça? Même. Une caravane. Voilà. Tu vas t'acheter une caravane. Ah ouais. Attends. Je dois être galant, c'est une obligation. Un homme, c'est la galanterie. Mais attends. Un homme doit être galant, du coup, chaque fois qu'il va au restaurant avec une femme, c'est à lui de payer. La plupart, oui. La plupart des restaurants. Regarde dans quoi tu vas. Mon pote, non. Sur la vie de ma mère, regarde, si la femme elle travaille, elle gagne des. Tu sais quoi? Et là, que j'étais à côté, pourquoi pas payer de temps en temps? C'est vrai, pourquoi c'est toujours à l'homme de payer? De temps en temps, je suis d'accord, mais la plupart de tous les restaurants, c'est la galanterie, c'est digne d'un homme. Tu vas au restaurant avec un gars, le gars paye pas le resto, est-ce qu'il perd des points? Ouais. Eh, mais c'est un truc de fou! Désolé. Voilà, je m'en bats la. Sur la vie de ma mère, je m'en bats la couille. Yeah, tu perds des points, tu perds pas des points. Je m'en bats la couille. Il a perdu. Mais il a perdu quoi? Tu n'es pas capable de m'inviter au restaurant. Pas que l'homme il bricole, il protège, il fait la bagarre, il reste la nuit, il travaille 8 heures par jour. Tu l'as oublié. Ouais, mais les femmes aussi peuvent inviter dans temps. Voilà, Farah. Donc, Farah, toi, t'es d'accord avec Cappuccino? Elle aussi, elle a dit de temps en temps. Non, mais hey, moi je te parle du premier rendez-vous. Pourquoi? Si vous êtes marié et que votre femme elle a des amis garçons, est-ce qu'elle a le droit ou pas? Jamais. Et toi, Esteban? Ben si elle peut. Mais attends, mais laissez-le. Comment ça, t'es un pigeon blanc? Laisse-le. Pourquoi elle aurait le droit? Ben parce qu'elle peut avoir ses potes. Moi j'ai mes potes meufs aussi. Et si elle fait de la merde. Ben c'est tchao. C'est le genre de mec qui se fait tromper. Moi je te le dis. Tu t'es déjà fait tromper? Ouais, une fois. Mansour, est-ce que ta femme, elle aura le droit de s'habiller comme Ella? Jamais ta vie, quand t'aimes les garçons, mon pote. Ouais, devant tes potes. Mais tout seul, quand t'es tout seul avec elle. Ah le bébé terre. Mansour. Ah le bébé terre. Voilà,